parler sur cette pensée importante, c'est-à-dire le Saint-Esprit et l'abondance. Ou bien la puissance du Saint-Esprit produit l'abondance. Ou encore l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit et l'abondance. Alors, nous sommes basés sur le verset clé, un des versets clés de ce message. 10, versets 10 à 11. Jean 10, 10 à 11. Lorsque nous ouvrons la Bible, bien-aimés, nous savons ce que le Seigneur Jésus a dit. Et nous le répétons encore aujourd'hui, c'est l'un des objectifs principaux de sa mission dans le monde. Le Seigneur, il présente deux personnages dans ce passage. Nous parlons de Jean 10, 10 à 11. Le Seigneur présente deux personnages. Le premier, il commence par le voleur que nous connaissons, c'est le diable. Nous savons en quoi il est voleur et nous connaissons son travail, c'est détruire, c'est voler, c'est piller, etc., tuer. Mais le deuxième personnage, c'est lui-même, le Seigneur Jésus. Et il dit, il révèle que lui, il est le bon berger et que s'il est venu sur la terre, c'est pour donner sa vie à ses brebis, c'est-à-dire à ses disciples, c'est-à-dire à tous ceux qui vont croire en lui. Et il précise bien que cette vie, qui est sa vie du bon berger, qu'il donne aux brebis, les brebis vont la vivre en abondance. C'est très important lorsque le Seigneur Jésus souligne, il dit, ils la vivront en abondance. Et nous avons compris, et nous voulons le répéter encore au début de ce message, que si la vie du bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, n'avait pas cette abondance, Jésus ne pouvait pas promettre cette abondance à ses brebis. C'est parce que sa vie en elle-même, Jésus-Christ le bon berger, c'est ce Jésus-Christ homme, ayant esprit, âme et corps, totalement, parfaitement, comme nous tous les hommes, mais qui demeurait en même temps Dieu. Donc pendant qu'il était sur la terre comme un homme complet, il continuait à être Dieu. Donc sa nature divine était toujours là. Donc c'est pourquoi on parle du mystère de Jésus-Christ. Donc ces deux natures, humaine et divine, étaient en lui. Maintenant, c'est sa vie de ce Jésus, bon berger, qu'il a vécu sur la terre, tout en étant Dieu, qu'il transmet maintenant à ses brebis. Alors, nous avons également compris ceci. Que s'il peut promettre aux brebis sa vie en abondance, c'est que lui-même, sa propre vie, avait déjà cette abondance. Et nous avons compris, nous n'avons qu'à réécouter tous les messages que nous avons donnés, rien que depuis fin décembre jusqu'à ce jour, où nous avons compris que en quoi a consisté l'abondance. Sur le plan spirituel, sur le plan physique et sur le plan matériel et même financier. La vie de Jésus-Christ, le bon berger, avait cette abondance. J'ai dit que la vie de Jésus-Christ, le bon berger, avait cette abondance spirituelle, physique, matérielle. Et nous avons vu que comment maintenant, il a transmis cette vie aux brebis, c'est-à-dire aux disciples qu'il a engendré. Nous avons compris, si vous vous rappelez le message de la fois passée, comment il nous a transféré cette vie, en commençant d'abord par la croix, effectivement, sur le terrain, c'est par la nouvelle naissance. Maintenant, chaque disciple ou chaque brebis qui naît de nouveau, qui naît de Dieu par Jésus-Christ, il reçoit cette vie du bon berger. Et sur le plan spirituel, nous avons compris que cette vie contient aussi l'abondance. Je vous renvoie au message de la fois passée, que sur le plan spirituel, cette vie que nous vivons contient l'abondance.
Et vous n'avez qu'à aller. Et comment Dieu a garanti cette vie? Dieu a garanti cette vie au moyen de son alliance, c'est-à-dire de sa parole. Cette parole qui contient les promesses, le contenu des promesses qui sont dans l'alliance de Dieu, dans la parole, sur le plan spirituel et physique, contiennent déjà cette abondance. En d'autres termes, lorsque nous vivons sur le plan spirituel, tel que la parole de Dieu nous le dit, nous nous soumettons au Saint-Esprit qui fait agir sa puissance dans nos vies. Automatiquement, notre vie sur le plan spirituel, elle a cette abondance. Automatiquement, notre vie sur le plan physique a cette abondance. L'abondance sur le plan physique, qui consiste en la bonne santé physique, mais elle est garantie aussi dans l'alliance, dans les promesses. Elle est garantie dans l'alliance, dans les promesses. Vous n'avez qu'à relire Exode 23, chapitre 23, verset 25. Deutéronome 7, 15. Vous pouvez lire Exode 15, 26. Vous pouvez lire Ésaïe, chapitre 53, verset 3, 4, 5. Vous pouvez lire Marc, chapitre 16, 17. Rien que dans ces passages, le contenu de ces promesses-là, bien-aimés, concerne la bonne santé physique et la guérison quand la maladie intervient. Donc, quand bien même la maladie intervient, Dieu déjà a disposé la guérison. Et la guérison, c'est quoi? C'est la destruction de la maladie dans le corps pour que le corps continue à être en bonne santé physique. Amen, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est ça la part de Dieu dans cette abondance sur le plan physique. Bien que maintenant l'homme a aussi sa part, c'est-à-dire veiller à sa nourriture, veiller à la santé physique de son corps. Donc il y a des choses que l'homme doit faire. C'est veiller à la nourriture, manger correctement, et puis on nous exhorte toujours aussi à l'exercice physique. Ça, c'est ce que nous, on peut faire. Mais nous avons compris que cela ne suffit pas pour nous garder en bonne santé physique. C'est pourquoi Dieu intervient par l'action de la puissance de son esprit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et nous avons promis, jeudi passé, du moins dans le cadre de l'émission Bible ouverte, que nous allons maintenant enchaîner avec maintenant l'abondance sur le plan matériel. Soit dit en passant que le dimanche, au culte, nous avons déjà abordé cet aspect-là. Si vous suivez notre message avec interprétation en swahili, de dimanche passé au culte, nous avons déjà commencé à parler de cela. Mais aujourd'hui, dans le cadre de l'émission à Bible ouverte, nous voulons donc revenir encore là-dessus avec force détail. Est-ce qu'on peut dire amen et nous pouvons acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Donc aujourd'hui, nous voulons voir comment les brebis que nous sommes peuvent vivre effectivement l'abondance matérielle. Parce que cette abondance matérielle, cette richesse matérielle a aussi caractérisé la vie du bon berger. C'est parce que la vie du bon berger en elle-même était aussi riche matériellement et financièrement. C'est pour cela que les brebis ont aussi cet avantage, ce privilège, cette grâce de vivre aussi cette abondance matérielle et financière. Parce que comme nous n'avons cessé d'insister, le bon berger, quand il a transmis sa vie à ses brebis, ce n'est pas partiellement, non, c'est à 100%. Même pas 99,9%, à 100%, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel et financier. Tout cela, cette abondance spirituelle, physique, matérielle, qui a caractérisé la vie du bon berger, doit aussi caractériser la vie des brebis. Alors comment maintenant sur le plan matériel, cette abondance, les brebis doivent la vivre effectivement? Amen, bien-aimés dans le Seigneur.
pour ce qui est de la richesse de Jésus, eh bien, nous n'avons qu'à noter, relire encore. Colossiens chapitre 1, le verset 15, 16. Colossiens 1, 15 et 16. Et puis 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Ces passages révèlent que Jésus était riche. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons compris encore comment lui qui était riche, il a transféré. Amen, bien-aimé. Maintenant, effectivement, comment les choses se passent? Puisque 2 Corinthiens 8, 9 dit que Jésus, il s'est fait pauvre, bien qu'il était riche. Il a accepté de vivre comme un pauvre sur la terre, afin que ses brebis vivent cette richesse. Mais effectivement, concrètement, comment cela doit se faire? Comment l'homme va vivre matériellement et financièrement comme un riche? C'est-à-dire comment l'homme va vivre concrètement cette richesse sur le plan matériel? Comment? Quels sont les mécanismes, les dispositifs que Dieu a mis en place? Les mécanismes que Dieu a disposés pour l'homme, pour que, suivant ces mécanismes, mettant en pratique ces mécanismes, l'homme vive concrètement cette richesse. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Comment l'homme va vivre cette abondance matérielle et financière? Concrètement, est-ce que c'est toujours en disant amen à l'église? C'est une bonne chose, je ne refuse pas. Est-ce que c'est toujours en proclamant? Quand il y a des déclarations, on prend les promesses de Dieu, on les répète, et puis nous disons amen, nous acclamons. Est-ce que tous doivent s'arrêter seulement à déclarer, à proclamer, à dire amen? Et puis on croise les bras, on attend que ce qu'on a déclaré arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que Dieu a tracé une voie qu'il faudra suivre en plus de notre amen? C'est ce que nous voulons comprendre. Amen, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Oui, bien-aimé, suivez attentivement. Le même schéma, le même processus que Dieu a utilisé sur le plan spirituel et même physique, c'est le même que sur le plan matériel et financier. Dieu, par Jésus-Christ, a utilisé la même voie pour que les brebis, les disciples, pour que l'homme en général vive cette richesse matérielle, vive cette abondance matérielle. Et Dieu a mis ses voies dans sa parole. Ses voies sont dans sa parole. Il y a des voies que Dieu a tracées pour que l'abondance qui a caractérisé la vie du bon berger, la richesse de Dieu, puisque le bon berger c'est Jésus, c'est Dieu, pour que l'homme vive cette richesse matérielle que son Dieu lui donne. L'homme n'a pas inventé la richesse matérielle sur la terre, non. L'homme doit cette richesse matérielle sur la terre. Dieu a créé ça, Dieu a créé ça. Si elle peut être présentée par l'or et l'argent, mais nous savons que toute la terre, c'est Dieu qui a créé. Tout ce qui est dans la terre, c'est Dieu qui a créé. Nous n'avons qu'à aller dans Genèse chapitre 2, le verset 8 à 14. Dieu plante le jardin d'Éden et Dieu met dans ce jardin toute richesse. La Bible dit, il met dans le sous-sol de la terre, Dieu met l'or, l'argent, tout ce que vous voulez, donc les richesses minérales. Dieu plante la forêt et puis Dieu met l'eau. Donc les richesses forestières et aquifères, Dieu met ça dans le jardin. Et après avoir enrichi le jardin, après avoir mis toutes ces richesses naturelles dans le jardin, maintenant Dieu prend l'homme, il le met et il lui dit, cultive maintenant, travaille. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et le jardin d'Éden, c'est l'image de toute la terre.
C'est pourquoi partout dans le monde, il y a les ressources minérales, il y a la forêt, il y a l'eau. Est-ce qu'on peut dire amen à encore acclamer le Seigneur? Maintenant, Dieu dans sa parole. Dieu vient maintenant avec son alliance. Son alliance, c'est sa parole. Et dans cette parole, il y a les promesses. Dieu vient maintenant dans sa parole. Il met les voies qui permettent maintenant à l'homme qui vit sur la terre de pouvoir, en suivant ses voies, il va accéder à la richesse. Ces voies, non seulement conduisent à cette richesse, mais ces voies montrent également ce que Dieu, l'homme doit faire pour réellement entrer en possession de ses richesses, les développer et en jouir. Je dis ceci, que Dieu vient avec son alliance et sa parole. Maintenant, dans cette alliance, il y a les voies. Et ces voies conduisent non seulement à la richesse, mais elles montrent également ce que l'homme doit faire pour pouvoir posséder ses richesses et puis les développer, en jouir et être béni. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut dire encore très bien amen? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, dans son alliance, il met les promesses. Et le contenu des promesses de Dieu, nous avons dit que dans les promesses de Dieu qui sont dans l'alliance, il y a ce qui concerne le spirituel, il y a ce qui concerne le physique, mais il y a aussi ce qui concerne le matériel. Je reprends encore. Dans les promesses de Dieu qui sont dans l'alliance, dans sa parole, de la Genèse à l'Apocalypse, alléluia, amen peuple de Dieu. J'ai dit de la Genèse à l'Apocalypse. Dans ces promesses, il y a les voies qui conduisent à l'abondance spirituelle. Il y a les voies qui concernent l'abondance physique. Et il y a les voies qui concernent l'abondance matérielle. Toute cette abondance sur les trois plans au niveau. Mais c'est ça le contenu des promesses. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le contenu concernant, bien sûr, l'abondance matérielle. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous répétons encore aujourd'hui ceci. Quand vous parcourez maintenant toutes ces promesses, vous allez voir qu'il y a deux éléments clés qui sont la source de cette richesse matérielle. Je dis deux éléments clés qui constituent la source de cette richesse matérielle. Ces éléments, c'est la terre et puis la pluie. Ou bien la terre et l'eau. Quand on parle de la pluie, on va à l'eau directement. Car la pluie apporte de l'eau sur la terre. Je dis ceci, que dans ces promesses, dans leur contenu, il y a deux éléments sources de la richesse. C'est la terre et puis c'est la pluie. Et quand vous lisez beaucoup de promesses qui font allusion à la richesse, vous allez trouver que ces éléments comme la terre, la pluie, la bénédiction, l'abondance matérielle, vous allez trouver que ces éléments sont associés. Plus, bien sûr, la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous savez que ces éléments sont associés. Je reprends. Les deux éléments principaux, c'est la terre et la pluie. Maintenant, quand vous allez encore en détail, dans ces promesses, vous trouvez que la terre et la pluie sont associés à la bénédiction. Matérielle, bien sûr, sont associés à cette richesse matérielle. Donc, vous trouvez que c'est associé. Amen, bien-aimé dans le ciel. Et ce n'est pas en vain que tous ces termes ici, tous ces concepts se trouvent rassemblés. Il y a des versets où vous les trouvez tous. Et nous devons comprendre pourquoi. Et le Saint-Esprit va nous aider. Si nous prenons, lisons quand même, si nous prenons, par exemple, prenons Ésaïe chapitre 30, le verset 23.
Ésaïe 30, le verset 23. Nous lisons la version, la Bible du Seigneur. Voici ce que la Bible déclare. C'est Dieu qui parle. Et Dieu accordera la pluie à la semence que tu mettras en terre. Dieu accordera la pluie à la semence que tu mettras en terre. Il y a la pluie, il y a la terre, il y a la semence. Aussi, la nourriture que produira la terre sera très riche et savoureuse. Et ton bétail, en ce temps-là, pétera dans de vastes prairies. Amen, bien-aimés. Donc, nous trouvons ici dans ce passage, il est question de la terre qui est arrosée par la pluie. Il est question de la semence qui est arrosée par la pluie, la semence qu'on a mise en terre, quand elle est arrosée. Il est question maintenant de ce que la semence va produire. La semence va produire de la nourriture. Et ici, non seulement la terre produit des cultures pour la nourriture, mais en même temps, il y a les pâturages que la terre va produire pour les bêtes. Amen, bien-aimés. Nous allons dans toujours Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 3. La Bible dit ceci, Ésaïe 44, 3. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. J'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur la postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Nous trouvons là, il est question de la terre, c'est ça le sol. Il est question des eaux, c'est ça la pluie et la puissance du Saint-Esprit. Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel 34, le verset 26. C'est toujours Dieu qui parle. Ézéchiel 34, 26. Je les comblerai de bénédictions dans les environs de ma colline. Je ferai tomber la pluie en son temps. Ce seront des pluies qui vous apporteront la bénédiction. Amen. Donc, vous voyez que la bénédiction, comme on vient de dire, la bénédiction, principalement dans ses aspects matériels et financiers, la pluie, la terre, la richesse, c'est ça l'abondance. Tout cela est lié. Mais comment Dieu pouvait mettre tout cela? C'est parce qu'on ne peut pas parler pour Dieu. C'est ça le processus que Dieu a choisi pour que l'homme devienne riche. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu le Créateur, pourquoi il a mis toutes ses richesses dans le jardin d'Éden, qui est l'image de toute la planète Terre? Mais c'est pour que l'homme puisse jouir de ses richesses. C'est pour que l'homme jouisse de ses richesses. C'est pourquoi Dieu a tout créé avant de créer l'homme. Donc Dieu n'est pas contre cette richesse. Mais Dieu veut que l'homme comprenne comment, quelle voie il doit suivre pour accéder à cette richesse. Dieu veut que l'homme comprenne d'abord. Dieu veut que l'homme comprenne que la richesse, elle est à sa disposition. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est pourquoi nous le répétons, que pour Dieu, les deux principales sources de la richesse, les deux éléments clés, c'est la terre et la pluie. C'est la terre et la pluie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, allons un peu à l'origine. Quand nous lisons Genèse, chapitre 2, nous rentrons encore à Genèse chapitre 2. Nous lisons les versets 4 à 6. Genèse 2, versets 4 à 6. La Bible dit ceci. Voici l'histoire de ce qui est devenu au ciel et sur la terre lorsqu'il fut créé. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs n'avait encore germé. Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau s'est mise à sourdre ou à jaillir et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. On peut s'arrêter là. Genèse 2, 4 à 6. Qu'est-ce que la Bible explique ici? Quand vous lisez Genèse 1, verset 11, c'est là où la parole de Dieu est sortie concernant la création de la végétation, c'est-à-dire les arbres et les herbes, toutes les espèces de la végétation qu'il y a sur la planète Terre.
C'est la terre qui devait produire cette végétation. Maintenant, au chapitre 2, on explique que quand bien même Dieu, dans Genèse 1:11, il a prononcé cette parole, pour que cette parole s'accomplisse effectivement, il fallait que la pluie tombe. Donc Dieu savait que pour que ma parole créant la végétation s'accomplisse, par la puissance bien sûr de mon Esprit Saint, il faut que la pluie tombe d'abord. C'est ainsi que Dieu va faire tomber la pluie. Quand la pluie est tombée, cette pluie a arrosé la terre. Elle a fertilisé la terre. Ainsi la terre, ainsi arrosée, fertilisée, était devenue maintenant capable d'accomplir la parole de Genèse 1:11, c'est-à-dire de faire pousser maintenant la végétation, c'est-à-dire les arbres et les végétaux. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous savons que la forêt et la savane qui comprend les végétaux et l'arbre et les arbres, ainsi que bien sûr les herbes, hein, les végétations herbacées, constituent une des richesses naturelles que Dieu, une des ressources naturelles. Quand on parle de ressources naturelles, ce sont les ressources qui concernent la richesse naturelle que Dieu a créée pour que l'on puisse en bénéficier, en jouir. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons maintenant concernant Israël. Comment Dieu a procédé avec son peuple d'Israël pour amener Israël à cette richesse. Si nous comprenons ce que Dieu a fait pour Israël, bien, nous allons le comprendre que c'est valable pour toutes les nations de la terre. Car Dieu a décidé de se choisir un seul peuple, Israël, et au travers d'Israël, il atteint toutes les nations de la terre. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen encore, acclamer le Seigneur? Maintenant, comment Dieu a conduit Israël à cette richesse matérielle? Nous connaissons l'histoire de ce peuple. Comment Dieu l'a choisi? Puis après, Abraham, Isaac, Jacob, 12 fils, 70 personnes en Égypte, puis ils sont multipliés. 4 siècles après, Dieu les fait sortir. Quand Dieu envoie Moïse, Exode chapitre 3, Dieu dit quoi à Moïse? Exode 3. Il dit, je t'envoie en Égypte pour faire sortir mon peuple, le délivrer de l'esclavage, pour que tu l'amènes dans le pays où coule le lait et le miel. Que tu l'amènes dans le pays où coule le lait et le miel. C'est ça la promesse de Dieu. Et Dieu ne s'arrête pas là. Toujours dans ses promesses. Qu'est-ce que Dieu fait? Lisons Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28. Le verset 13. Nous connaissons bien l'importance de ce chapitre dans la Bible. Deutéronome 28, verset 13. Voici ce que Dieu dit à Israël. L'Éternel On peut commencer par le verset 12. Le verset 12. Même le verset 11, bien-aimé. Deutéronome, chapitre 28, le verset 11. Deutéronome 28, 11. L'Éternel vous comblera. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants. Il multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. Vous comprenez? Il va multiplier les troupeaux et l'Éternel va vous donner des récoltes abondantes. Arrêtez-nous seulement là. Les troupeaux allaient venir d'où? Du ciel? Les récoltes abondantes allaient tomber du ciel? Non. Pas nous savons que la manne devait cesser et elle avait cessé. Avant qu'Israël ne possède le pays dont il est question ici. La manne avait cessé. La manne a cessé quand ils ont traversé le Jourdain. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu parle de récoltes abondantes. Il parle des troupeaux qui allaient descendre du ciel. Non. Nous continuons la lecture. Le verset 12.
L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste, pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Amen. Ici, Dieu, il trace maintenant la voie pour que Israël entre en possession de l'héritage. Ceci, c'est Moïse qui rappelle à Israël cette disposition, cette promesse, où dans les plaines de Moab, Israël n'a pas encore traversé. Israël n'a pas encore pris possession de Canaan. Mais Dieu est en train de montrer à son peuple comment, quand il va posséder le pays, il va accéder à la richesse. Et nous savons que le pays que Dieu a donné à Israël, mais plus de 50%, c'est un désert. Depuis ce temps-là, c'était déjà un désert. Désert. Toute la partie sud, c'est un désert. Mais cela n'était pas un problème pour Dieu. C'est pourquoi Dieu promet à Israël, il dit, quand tu vas maintenant entrer en possession. Bien-aimé, quand Israël est entré à Canaan, mais Israël n'a pas amené le grand ciel de l'Égypte, qu'il a transporté sur les épaules, il l'a planté, non. Israël n'a pas trouvé les autoroutes à Canaan, non. Mais comment Israël devait accéder à la richesse matérielle? Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Quand vous allez arriver, moi maintenant l'Éternel, je vais faire tomber la pluie. Dieu dit, je vais faire tomber la pluie. Et si vous lisez toujours dans ces promesses, nous allons terminer par là. Joël chapitre 2, à partir de 23 à 27. Dieu précise que les pluies là ne viendront pas comment? Il y aura les pluies du printemps et les pluies de l'automne. Et dimanche passé, nous avons expliqué pourquoi Dieu promet les pluies du printemps et les pluies de l'automne. Cherchez ce message-là, vous allez comprendre, s'il vous plaît. On n'a pas de temps pour revenir sur les mêmes choses. Alléluia! Donc Dieu dit quoi à Israël? Quand vous allez entrer en possession de Canaan, même si c'est un désert, mais retenez ceci. Moi, l'Éternel, je vais faire tomber la pluie. Quand la pluie va maintenant arroser le sol là désertique, la pluie va arroser ce sol-là. La terre là aride sera arrosée. Elle deviendra humide. Elle sera fertilisée. En ce moment-là, ce que moi je vous demande, c'est quoi? C'est que maintenant, prenez les houes, prenez les pioches, cultivez maintenant la terre. Remuez le sol. Prenez les semences, plantez. Plantez les semences de tout ce dont vous avez besoin pour manger. Le blé, le maïs, les choux, les oliviers, tous plantés. Tout ce que vous trouvez comme graines concernant la nourriture à manger, plantez. Les avocats, les mangues, plantez tout, plantez. Quand vous allez planter, comme je continue à faire tomber la pluie, et du printemps et de l'automne. Mais la terre sera fertilisée. Et les cultures vont pousser. Et vous allez maintenant récolter. Quand vous allez maintenant récolter, donc vous aurez de quoi vous nourrir. Ça, c'est un de deux. Comme la pluie tombe, la terre aride qui est arrosée va maintenant faire sortir la végétation. Je te renvoie à Genèse 2, 4 à 6. Va maintenant faire sortir la végétation. Il y aura des pâturages verdoyants. Ainsi, vous allez amener sur ces pâturages vos bœufs, vos brebis, vos vaches qui auront de la nourriture. Elles vont se multiplier. Ainsi, vous aurez d'une part les produits des champs, d'autre part les produits de l'élevage. Vous allez maintenant les vendre. Vous aurez l'argent. En même temps, vous avez la nourriture. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi Dieu dit, je vous donnerai des récoltes abondantes. Les récoltes allaient venir d'où? S'il n'y a pas
le travail des champs. Si on ne cultive, on ne sème pas. On va récolter comment? Les récoltes allaient tomber du ciel emmenées par les anges. Non. Amen, bien-aimé dans le ciel. Dieu dit ceci, ma part, c'est que je vous donne la terre. Et puis, je fais tomber la pluie sur la terre. Maintenant, c'est à vous maintenant de cultiver. C'est à vous de semer. C'est à vous d'élever. Parce que non seulement je fertilise la terre, mais je vous donne les pâturages pour les troupeaux, pour l'élevage. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vous pose encore cette question. Quand Genèse 2 dit ceci, que Dieu prend Adam, il le met dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Est-ce que le jardin d'Éden était une ville? Mais c'était un village, c'était comme le village ici que nous avons. La Bible ne dit pas que Dieu avait construit une case, une maison pour Adam à 3 étages. Et après avoir construit la maison, maintenant il a pris Adam et sa femme, il l'a mis dedans, non. Dieu dit, Dieu, il met seulement la forêt, il met l'eau, il met les ressources sous sol. Il prend maintenant Adam, il dit maintenant cultive. C'est Adam qui devait maintenant se préparer pour couper les bois, construire la case. Amen, bien-aimé. C'est lui, Adam, qui devait maintenant s'aimer. Il sème, il sème. Il mange le lingalinga, il garde les graines. Il met. Comme ça, dans quelques mois, il a encore de nouveau lingalinga, il mange. Il mange l'avocat, il garde le noyau, il plante. Comme ça, dans 5 ans, Abraham a vécu 900 ans. Je crois au-delà. Je n'ai pas le chiffre exact. On n'a qu'à lire dans la Bible. Mais imaginez-vous, pendant 900 ans, il a vécu comment? Les enfants d'Adam et Ève, les Caïn et Abel, la Bible dit qu'ils cultivaient. Caïn cultivait, Abel élevait. Les Noé, tous, les Abraham, ils ont vécu comment? La Bible dit qu'Abraham était riche, mais la richesse avait consisté en quoi? Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut dire amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et qu'il nous donne de la sagesse. Que tous ceux qui écoutent encore cette parole, que ce soit particulièrement nous là, des pays qu'on qualifie de sous-développés, de pauvres. Est-ce qu'en réalité, de par Dieu, nous sommes pauvres? Non. Prenons le Congo ici. On dit que c'est un pays potentiellement riche. Mais pourquoi se classer parmi les pays pauvres? Pourquoi? Effectivement, nous sommes parmi les pays pauvres, sous-développés. Mais potentiellement, on a tout l'or, on a l'argent, le cuivre, le cobalt, tout nous avons, les diamants. Mais, matériellement, pauvres, pourquoi? Amen, que Dieu donne la sagesse, je dis bien, la sagesse, au travers de ce message, de cette parole, à tous ceux qui l'écoutent, maintenant dans le monde, qui l'écouteront? Principalement de ces pays dits sous-développés, pauvres. Mais qui potentiellement sont riches. Et dans ce pays, bien sûr, il y a le Congo, notre pays. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer encore le Seigneur? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La terre et la pluie. Rentrons dans Genèse. Genèse chapitre 26. Genèse 26. Nous pouvons lire du premier jusqu'au verset 16. Notez, Genèse 26, 1 à 16. Vous recommandons de lire parce qu'on commence à courir avec le temps. Quand vous lisez bien ce texte, soit dit en passant, vous le savez que Isaac, c'était l'enfant d'Abraham, le fils de la promesse, un des ancêtres directs d'Israël. La Bible dit que là où il vivait à Guérar chez les Philistins occupaient la partie occidentale d'Israël aujourd'hui.
qui est occupé aujourd'hui par les Palestiniens. C'est là. Gaza, Asdod, Gath, Ascalon et Ekron. C'était les principales villes des Philistins à l'époque. Et il était là, dans cette... Tout ça, ça faisait partie de Canaan. Isaac était là. Il y a eu la famine. Ok? Isaac se rappelle, bien sûr, que son père lui avait dit que quand il y avait eu la famine, toujours, il était parti en Égypte. Pendant qu'il est en train de réfléchir pour aller en Égypte, Dieu vient lui dire, non, non, ne pars pas en Égypte. Reste ici à Guérar, chez les Philistins, où il y a, bien sûr, là, il y avait la famine, donc la mort. Mais Dieu lui dit, reste ici, moi-même je serai avec toi. Dieu lui dit, reste ici, moi-même je serai avec toi. Mais Dieu lui demande de rester dans un pays où il y a la famine, où il y a la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Dieu lui dit, reste, je serai avec toi. Ok, Isaac a obéi. Maintenant, quand vous lisez le verset, à partir du verset 12, la Bible dit quoi? Isaac fit des semailles dans le pays. Et il récolta cette année-là au centuple, le centuple, de ce qu'il avait semé. Vous comprenez? Il récolté au centuple. Comme pour dire, une graine de maïs, Isaac a récolté 100 graines. Si nous pouvons prendre ça d'une manière littérale. Et nous savons que le centuple, c'est l'image de la multiplication par la puissance de notre Dieu, du Saint-Esprit. L'Éternel le bénissait. Donc la bénédiction de Dieu pour Isaac, mais elle avait comme fondement le travail des champs. Quand on parle de semer et de moissonner, c'est-à-dire cultiver, semer et puis récolter. Et la Bible dit que c'est par ce travail-là que Dieu l'a béni. La Bible ajoute, si vous lisez, que Isaac est devenu puissant, fort, riche, plus riche que les Philistins, plus riche que les Philistins. Mais pourquoi Isaac était devenu puissant, fort, plus riche que les Philistins? C'est parce que, je vous le répète encore, les Philistins, eux, ne cultivaient pas. Qu'est-ce qu'Isaac avait fait quand il est resté? Quand il est resté, c'est sûr qu'il a prié pour dire, Seigneur, merci, j'ai obéi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Ah! La Bible dit, Dieu a conduit Isaac à ouvrir les puits d'eau que son père Abraham avait creusés. Il a réouvert les puits là. Toujours le même esprit l'a conduit à faire, à cultiver. C'est ainsi qu'Isaac a commencé à cultiver. Des petits jardins, avec le peu de serviteurs qu'il avait. Il construit aujourd'hui un 10 mètres carrés. Et il cultive un 10 mètres carrés. Il prend les lingalingues, il met. Et puis il les arrose. Demain, ceci, cela. Amen, bien-aimé. Au bout d'une certaine période, ce qu'il a planté a germé. Et puis, a donné des fruits, ils ont maintenant récolté. La Bible dit le centuple. Donc, la puissance de Dieu a maintenant affecté le travail d'Isaac, qui a fait que les récoltes étaient abondantes. Ce qui fait que maintenant, les Philistins, eux, ne cultivaient pas. Ils faisaient la guerre. Maintenant, ils rentrent avec l'argent et les biens. Mais ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas à manger. Tu peux avoir 1 milliard de francs congolais. Commence à manger si tu vas te rassasier. D'ailleurs, tu ne sauras même pas terminer une liasse. Tu vas suffoquer, non? Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Donc, ils ont l'argent, mais ils ne savent pas comment faire pour manger. Ah! Mais il y a un type chez nous ici. C'est Isaac. Allons chez Isaac. Ils arrivent chez Isaac. Ils trouvent tout ce qu'il leur faut pour manger. Ce qui fait quoi? Ainsi, ils ont donné. Ils viennent, ils achètent chez Isaac. Vous comprenez? Ils achètent chez Isaac. Ils vont, ils mangent. Ça termine, ils viennent, ils achètent. Ils vont, ils mangent. Ça termine, ils vont, ils achètent. Vous comprenez? Ce qui fait que tout leur argent, toute leur richesse, mais était transféré chez Isaac. Ainsi, Isaac, il avait non seulement à manger, mais il avait aussi l'argent. Maintenant, au bout du compte, qui était riche, qui était devenu pauvre? Mais Isaac est devenu riche, les Philistins sont devenus pauvres. C'est l'image des deux voisins que je t'ai donné. L'image des deux voisins que je t'ai donné dimanche. Le premier voisin, ce sont les Philistins. Philistins, ils ont l'argent, ils ont les biens. Mais ils ne cultivent pas. Le deuxième voisin, c'est Isaac. Lui, il cultive.
Il cultive, il commence par cultiver. Avec le peu d'argent qu'il a, il cultive. Maintenant, dès qu'il récolte, maintenant, le deuxième voisin vient. Amen. Ce qui fait que maintenant, c'est le deuxième voisin, Isaac, en définitive, qui est riche. Et le premier voisin, les Philistins, qui ont fini par s'appauvrir. Chers amis congolais, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre cette image des deux voisins. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit bien, priez le Saint-Esprit. Dites lui, Seigneur, mais les deux voisins, là, en réalité, dont le pasteur la parle, c'est lesquels? Le Saint-Esprit va vous conduire. Mais notre prière est que vous ayez la sagesse d'être non pas le premier voisin philistin. Si tu es le premier voisin, prends la décision, arrête ça. Deviens le deuxième voisin, arrête ça, deviens le deuxième voisin. Bien-aimé, amen. C'est ainsi que cette voie de la richesse sur laquelle l'Éternel Dieu a conduit Isaac, c'est ça qu'il va conduire Israël. Genèse 26 précède bien sûr Deutéronome. Donc quand Israël a possédé maintenant Canaan, Dieu l'a remis sur la même voie que un de ses ancêtres, Isaac. Abraham, Isaac et Jacob, tous. Jacob était riche. Mais la richesse de Jacob consistait en quoi? En élevage. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Enfin, pour terminer aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit, il va ajouter, il le fera comprendre. Ok, alors Joël chapitre 2. Nous lisons Joël chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 21 avec chaque fois des commentaires puisque nous voulons que dans 10 minutes on termine. Joël chapitre 2, le verset 21. Ô terre, sois sans crainte. Jubile et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Soyez sans crainte, bêtes sauvages. Car les pacages de la steppe vont reverdir. Les arbres sont chargés de fruits. Le figuier et la vigne font abonder leur riche production. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La terre ici, c'est l'image de l'homme. Quand Dieu dit terre, réjouis-toi. Ici, terre, ce n'est pas la terre au sens physique, non. Ici, c'est l'image de l'homme. Donc, dans ce verset 21-22, Dieu parle de l'homme. Tu dois se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il y a la nourriture. Et Dieu parle des de bêtes, même des bêtes. Des troupeaux qui doivent se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il y a les pâturages dans les steppes. C'est-à-dire, Dieu dit, maintenant, il y a ma pluie. Et c'est ce qu'il va dire dans la suite. Les grandes choses dont Dieu parle, vous n'avez qu'à lire le verset 20 et le verset 26, etc. Ça fait partie des grandes choses dont Dieu parle pour lesquelles Israël doit se réjouir. Ok. Nous continuons la lecture. Verset 23. Et vous, gens de Sion, soyez dans la allégresse, réjouissez-vous à cause de l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il envoie la pluie selon ce qui est juste. Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps, tout comme auparavant. Amen, bien-aimé. Voici le message que Dieu donne à Israël par Joël. Il dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Pourquoi vous devez vous réjouir? Parce que l'Éternel, il envoie la pluie. Quelle pluie? La pluie du printemps et la pluie d'automne. J'ai dit que dimanche, nous avons expliqué pourquoi la pluie du printemps et la pluie d'automne. Ce sont les deux saisons de l'année qui sont favorables aux cultures. Parce qu'il n'y a plus de froid, il n'y a plus trop de chaleur. Le froid de l'hiver qui précède le printemps a fini. La chaleur de l'été qui précède l'automne a fini. Et puis il y a la pluie. Ainsi, l'homme peut semer et il peut moissonner. Dieu dit ça à Israël, que réjouis-toi dans la joie. Parce que je t'envoie la pluie. Et nous savons, nous avons dit depuis le début, pourquoi Dieu envoie la pluie? Pour fertiliser le sol, pour arroser la terre. Ainsi, quand l'homme cultive, il plante. Il va finir par récolter.
ce qu'il doit manger. En même temps, il y a l'herbe dans les champs. Et l'on peut maintenant élever et les troupeaux auront à manger. Les troupeaux auront à manger. Donc l'homme aura et les produits des champs et les produits d'élevage. Je vous rappelle que c'est ça qui a constitué la source de la richesse. Par ça que Isaac était devenu riche. C'est ça qui lui a amené l'argent des Philistins. J'ai dit dimanche que les nations aujourd'hui qui sont développées, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie du Nord, vous prenez les pays de l'hémisphère sud, comme l'Australie, comme une partie des pays de l'Amérique du Sud. Mais c'est parce qu'ils ont utilisé ce principe. Aujourd'hui, nous les Noirs, nous allons en Europe, aux États-Unis, quand nous arrivons là, nous sommes contents. Nous nous faisons photographier sur des autoroutes et nous mettons sur le Facebook. C'est bien, mais on devait avoir honte de faire des choses comme ça. Il y a des siècles et des siècles, en Europe, il n'y avait pas les autoroutes. Au Canada, en Amérique, il n'y avait pas les autoroutes. C'était la forêt comme ici. C'était la forêt comme ici. Mais ces gens sont arrivés aux autoroutes comment? Ils ont commencé par l'agriculture et l'élevage, mon frère. Même aujourd'hui, pourquoi ces gens sont toujours riches? C'est parce qu'ils n'ont pas abandonné les deux. Donc avant d'aller de chercher le charbon, avant de chercher le cuivre, avant de chercher l'or, mais d'abord ils ont assuré la vie du corps, car si le corps n'est pas en bonne santé, l'homme ne va pas vivre sur la terre. Pour exploiter l'or, il faut que l'homme mange d'abord. Oh, alléluia, acclame le Seigneur. Dis amen. Il faut que l'homme mange d'abord. Quand il aura mangé, il aura la force, la santé. Maintenant, il peut aller exploiter maintenant, chercher l'or et le cuivre et chercher comment transformer ça. C'est comme ça que Dieu a tracé les choses, mon frère. Nous ne sommes pas contre les ressources minérales, leur exploitation, non. Mais ça ne suffit pas pour nous rendre riches, parce que nous, les Congolais, nous avons ça. Mais nous ne sommes pas riches, mais nous avons ça. Concrètement, nous ne sommes pas riches matériellement, mais nous avons tout ça. Pourquoi les pays sous-développés, il y en a qui ont le pétrole, il y en a qui ont ceci, cela, mais toujours sous-développés. Nous devons nous poser cette question. Mais quand nous allons dans les pays développés, jusqu'à aujourd'hui, l'agriculture et l'élevage gardent leur place dans la richesse. Or, l'agriculture et l'élevage, c'est la terre et la pluie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la terre et la pluie. Et ces pays ont compris. Ces pays ont compris. Et ils appliquent ça. Et ils sont bénis. Rentrons dans Joël 2. Nous avons dit donc que quand vous lisez maintenant verset 24, verset 25, verset 26, verset 27, lisez bien, ce sont maintenant les conséquences du verset 23. Ça veut dire quoi? Dieu dit, quand je vais envoyer maintenant la pluie et que vous allez cultiver, vous allez semer, que vous allez pratiquer l'élevage, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura de la nourriture dans vos maisons. Vos aires se rempliront de blé. Les aires se remplissent de blé comment? Mais c'est à partir du produit des champs, il faut commencer par cultiver, semer le blé. C'est ainsi qu'en récoltant, la maison, les greniers sera rempli. Mais nous les chrétiens, souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons le verset 24. Alors Dieu dit, les heures se rempliront de blé, de mou, etc. Allez, Dieu dit, je vais vous dédommager. Verset 26, vous mangerez, vous rassasierez. Au nom de Jésus, nous chassons la famine. Au nom de Jésus, nous déclarons que les graines, nos maisons seront remplies de nourriture. Très bien, nous disons, mais nous acclamons, nous roulons.
Mais je vous pose la question. Depuis que nous faisons, nous proclamons, nous faisons ces déclarations-là, est-ce que sur les plans matériels et financiers, nous sommes riches? Est-ce que la famine est réellement partie de nos maisons? Est-ce que nos magasins dans nos cuisines là-bas sont remplis de nourriture? Non. Mais pourquoi? Parce que nous prenons 24, 25, 26. Mais nous négligeons 23. Alors que Dieu il a mis les choses, 23 là, c'est ça la voie qu'il faut suivre. C'est ça qu'il faut faire pour que 24, 25, 26 soient là. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimé, après dimanche, même après ce culte, après ce message, je sais qu'il y a des questions que les gens posent. Est-ce que maintenant, nous tous, on doit devenir des cultivateurs? Est-ce qu'il n'y a que les travaux de chien? Est-ce que Dieu lui-même ne dit pas dans Deutéronome que je te bénirai dans la ville, je te bénirai dans les champs? Donc il y a ceux qui doivent travailler en ville et ceux qui doivent travailler au champ. Très bien, je ne refuse pas. Prenons tous les pays des pauvres et sous-développés. C'est dans ces pays que le taux de chômage bat son plein. Il est tellement grand que... Donc, on ne va même pas s'intéresser à savoir le taux de chômage, c'est combien. Parce que il y a des pays où le taux de chômage, c'est-à-dire quand on prend la population active, mais qui n'a pas de travail, le taux de chômage, on vous dit que c'est même... Il y en a même 80%, vous savez ça. Taux de chômage, population active, 80%. Ok, très bien. Mais parmi les chômeurs là, vous trouvez les licenciés en droit, les licenciés en géologie, vous trouvez les géologues, vous trouvez les ingénieurs, vous trouvez les médecins, vous trouvez les maîtres, hein, les maîtres, vous connaissez les maîtres. Vous trouvez tous les diplômés, vous trouvez les ingénieurs en électronique, les ingénieurs en informatique, tout ça, ils font partie de ces chômeurs-là. Maintenant, quand vous leur posez la question, pourquoi vous ne travaillez pas? Mais nous allons travailler où? Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'industrie. Très bien, je vais vous poser la question. Je vous ai dit ceci, que le jardin d'Éden, c'était un village. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas les grands ciels. Dieu n'avait même pas construit la maison. Vous avez déjà lu que Dieu a construit la maison à 3 étages pour Adam avant de le mettre dans le jardin d'Éden. Non. Je vous pose la question. Si, ok, maintenant prenons nos villages. Vous savez que chez nous ici, en Afrique, ce sont les villages. Bon, les gens là du village, et comment ils vont devenir riches? Est-ce qu'ils sont aussi concernés par cette alliance? Oui. Mais ils vont devenir riches comment? Mais pourquoi les gens dans le village sont pauvres? Mais c'est parce qu'ils vivent sur la richesse. Ils vivent sur la terre qui contient la richesse et qui est arrosée par la pluie. Mais ils ne travaillent pas, ils ne comprennent pas qu'ils doivent travailler. Le jardin d'Éden, c'était comme un village, mon frère. L'Europe, l'Amérique aujourd'hui, mais c'était la forêt. Amen, bien-aimé. Est-ce que vous voulez dire encore très bien amen? Maintenant, je vous pose la question. Vous là qui avez le diplôme. Bon, les médecins, tout le monde. Bon. Les avocats, mais il n'y a plus de tribunaux. Même les avocats. Mais les avocats, il n'y a plus, mon cher. Écoute. Même les dossiers, les avocats, les dossiers. Nous pouvons avoir des cabinets, mais s'il n'y a pas de dossier, écoute, s'il n'y a pas de dossier. Donc, n'est-ce pas, nous avons le témoignage d'un avocat qui dit que dans notre cabinet, nous avons fait une année, même pas un dossier. Maintenant, je pose la question. Vous allez manger comment? Vous avez le diplôme. Je vous pose la question, vous là qui avez le diplôme d'université. Maintenant, il n'y a pas d'entreprise. Et puis vous priez, dites, Seigneur, donne-moi, Seigneur. Mais Dieu ne va pas faire descendre les anges avec les entreprises. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'avant qu'il y ait l'entreprise, toi-même tu peux te débrouiller. Toi-même, Dieu sait qu'il y a la forêt. Il y a la forêt. Dieu sait qu'il y a la forêt. Dieu sait que pour aller cultiver, mon frère, hein, pour aller cultiver, il faut absolument que vous soyez engagé. Non. Bon, même si je pose la question. Si les gens qui ont les fermes autour de la ville de Lubumbashi viennent ici en ville dire « Ok, nous engageons les gens pour aller travailler à la ferme », il y aura combien de diplômés de l'université?
Ils vont dire, non, non, mais moi j'ai étudié, je suis licencié. Très bien. Mais tu es licencié, tu meurs de faim avec le diplôme. Tu meurs de faim avec le diplôme. Mais si tu vas travailler dans ce champ là-bas, mon frère, toi-même tu auras à manger et puis on va te payer. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de ceux-là qu'on dit chômeurs, dans tous nos pays là sous-développés, peuvent accepter de rentrer à la source? Puisque la forêt, il y en a. La brousse, il y en a. La pluie tombe touche maintenant là. N'est-ce pas, nous sommes déjà, pour ceux qui sont rien que de la province du Katanga ici, même toute la partie sud du Congo, la Zambie, partout là, tous ces pays-là. Mais ça fait déjà 2 mois de pluie au moins. Maintenant, pose-toi la question. Cette pluie va bientôt terminer. Toi, tu auras fait quoi? Tout ce que tu as fait, c'est aller de bureau en bureau, de bureau en bureau. Mais très bien, mon frère, on ne refuse pas. Mais on ne peut pas engager tout le monde. On ne peut pas engager tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut recourir à la source. La brousse, elle est là, mon frère. La brousse, j'ai dit, elle est là. La brousse, elle est là. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur que cette parole sort de notre bouche. Il y a des choses que nous n'avons pas voulu dire, faute de temps, mais que le Saint, que nous n'avons pas su dire, faute de temps, que le Saint-Esprit puisse ajouter, que le Saint-Esprit puisse corriger. C'est dans ce que nous avons dit à des erreurs. Mais nous voulons seulement dire ceci, que nous bénissons le nom du Seigneur parce que effectivement, il a tout mis en place, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur, pour que l'homme croie d'abord en lui et qu'en croyant en lui, il puisse vivre et jouir de la vie du bon berger en abondance sur les plans spirituels, sur les plans physiques, sur les plans matériels et financiers. Nous avons ainsi déclaré et prié au nom puissant glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Est-ce qu'on peut dire amen? Et nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen.